Merci de toujours rester fidèle à Télé 50. Et oui, nous avons pris l'habitude de parler avec vous à travers cette émission Exclusivité. Nous parlons des sujets d'actualité, des sujets qui font débat. Et aujourd'hui encore, nous allons revenir sur la rentrée parlementaire, une session ordinaire, session de mars. Eh bien, nous allons revenir sur cette question, mais précisément avec le Sénat, où on soulève également la question de Matata Ponyo, les immunités tant réclamées qui ne sont toujours pas données, remises à Matata Ponyo. Eh bien, on revient ici sur la responsabilité du Sénat, parce qu'il semble charger le Sénat avec le speaker pour justement lever cette question. Nous allons aussi évoquer avec vous, mes téléspectateurs, le projet des 145 territoires, le développement de 145 territoires, le président de la République de retour à Kinshasa après un bref séjour à Bruxelles. Il a rencontré les présidents des assemblées, pardon, plutôt les députés provinciaux et quelques sénateurs pour justement discuter de cette question du développement des 145 territoires. Ici, on va parler des atouts, faiblesses, mais également des moyens alloués pour la réussite de ce projet. Nous allons ici également revenir sur la question de François Béa. Détenu à ce jour, doit-il être jugé ou carrément libéré? On en parle aujourd'hui avec le sénateur Denis Kambay Chimbumbu, président de la SINAGEC, Synergie des notables, Synergie Association des notables, plutôt des notables du Grand Kassai. Voilà, on va revenir sur la signification ici sur ce plateau. Sénateur, bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Arlette, merci pour votre invitation. Eh bien, je ne suis pas seule, je suis avec Kazambou. Avec lui, nous allons parler français, lingala, justement, pour permettre à nos téléspectateurs de mieux appréhender la chose. Kazambou, mbote mingi. Mbote, matondo mingi, mwana mboka Arlette Boutela. Eh bien, c'est Mouzali Kokoutana, yopé sou mokolo mwalelo, et bon, la sénateur, Touroubanza, solo kozoa, ma réponse, hein, na maé manso, ou touzali komi touna na oué tali, bongo au Sénat. Bongo P, donc on a la rentrée parlementaire, on a eu ce projet à développement, il y a 145 territoires, au bongo chef de l'État, Sangisa qui est député provincial, et on a eu sénateur, on a eu la Likamouena, et bongo P, on a eu la Likamoutali, François Béa, au Yazali Tissikoyo, Naboloko. Aimables téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans Exclusivité. Sénateur, nous sommes avec vous aujourd'hui, la rentrée parlementaire, les enjeux, autant de questions et justement qui taraudent les esprits des avertis qui, on l'espère, seront justement évalués au cours de cette session de mars. Merci beaucoup, Maman Arlette. Je suis un peu plus tard, Jean-Marie Kazambou, Kassambate, mais Jean-Marie Kazambou. Même ceux qui viennent sur la JMK, au Jean-Marie Kassamba, au Jean-Marie Kazambou. Merci vraiment pour votre invitation sur ce plateau et nous avons pris cette option de venir répondre à ces devoirs de que demande le peuple après chaque deux semaines pour que les gens sachent réellement ce qu'on est en train de faire. Avant toute chose, je voudrais, à travers cette émission, saluer le retour de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le fils de l'homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que beaucoup de choses ont été dites, et surtout nous par rapport à nos fonctions de président des notables des associations du Grand Kassai, avec les cinq provinces qui regroupent cet espace, j'étais en train d'échanger avec beaucoup de notables, et nous sommes tous limités sur la communication du président de la République quand il a parlé de sa maladie. Que le Seigneur le bénisse et l'assiste dans tout ce qu'il y a, parce que ce n'est pas facile d'être président du Congo ou président de la République démocratique du Congo, comme le maréchal Mobutu l'avait dit. Gloire à Dieu, il est là parmi nous. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, la beauté de ce plateau, c'est-à-dire la beauté de Télé 50, c'est une chaîne qui permet d'éduquer la population en dehors des divertissements, ce que vous avez appris, vous les journalistes, parce que nous sommes dans une société où chacun doit faire son travail. Il ne faut pas qu'un quadro devienne mécanicien, un mécanicien devienne chauffeur, et ainsi de suite. Tout est permis à tout le monde actuellement, mais je voudrais revenir sur votre question pour que les gens sachent que les parlementaires ont deux sessions essentiellement. La session ordinaire qui va du 15 mars au 15 juin, et la session dite budgétaire qui va du 15 septembre au 15 décembre.
Nous avons déjà fini la session budgétaire, nous avons déjà un budget qui est mis en place. Actuellement, nous sommes dans une session ordinaire dans laquelle nous, les sénateurs et les députés nationaux aussi, conformément à l'article 100, nous allons nous mettre là pour répondre à ce que notre honorable président, professeur Modeste Bahati, que j'ai salué en passant, a eu à dire, répondre à « que demande le peuple ?». C'est-à-dire que nous allons de temps en temps, dans la logique de la quinzaine parlementaire au niveau du Sénat, présenter le désidérata des populations de nos différentes provinces, parce que nous, au niveau de notre constitution, nous représentons, nous ne sommes pas seulement, un mandat national, mais nous représentons aussi nos différentes provinces. Les populations, à travers les députés provinciaux qui nous ont votés, doivent savoir ce que nous faisons réellement au niveau du Sénat. C'est comme ça que nous allons travailler régulièrement pendant cette session dans cette quinzaine parlementaire, mais aussi nous allons nous organiser pour que une fois par semaine, si au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont instauré la journée de mercredi qui est pour échanger avec les gouvernements, nous comptons nous retrouver avec le gouvernement régulièrement la journée de mardi. La journée de mardi, pour que toutes les questions que la population nous pose, ou toutes les questions qui nous ont été posées pendant les vacances parlementaires, ceux qui exécutent le programme de la République, du gouvernement, ce sont nos amis, les warriors. Nous allons le mettre devant leurs responsabilités à propos des courants, à propos des routes, à propos de l'eau, à propos des écoles, les fonctionnaires et tout ça. Voilà cet exercice que nous allons faire pendant ces... Justement, au cours de cette session, on a évoqué la question de la CENI, la question de la Constitution, où d'aucuns estiment qu'il faudrait revisiter la Constitution, ou encore la loi électorale également, où on est en train justement d'attendre que les élus puissent en parler, discuter justement de ces questions. Oui, exactement. Je parlais de toutes ces initiatives parlementaires pendant cette session, toutes ces lois-là. Oui. C'est pendant cette session et aussi en ce qui concerne la question de la CENI. Nous avons beaucoup de matières à traiter pendant cette session, ce que ça va être différent des sessions passées, parce que nous sommes déjà en 2022, en route pour 2023. Voilà le travail qu'on va faire. Namboka Denis Kambayi, touti koyoka yo akondimboela biso ete na kati ya session ordinaire oyo bo instauré esaleli ya sika oyo bo bengi na kombo ya quinzaine. Quinzaine wana eza lokola bokutani oyo bobanda kokutana mpona kolobela pasi ya peuple na bino ezali peuple congolais. Yebisa nanu biso neti ntango bokobanda awa. Pas nini ya yambo, oyo boko banda, kolobela, oyo penda peple ya komona ete penda, ya solo, tokoti na mbongwana ya solo, pamba te pasi songolo, e utayi kosila na lisungi ya quinzaine parlementaire. Merci beaucoup, Ndeko Jean-Marie Kazambu, na motuna na yo malamu. Ndeko na utayi koloba, tout à l'heure, na zo repondre na maman Arlette, ya koloba ke, toza na mandat national, mais toujours représenté par la province. Netingai, Nazali président, il y a groupe provincial, il y a Kasaï Central, mais Nazali pe président, il y a ba sénateur Nyoso, il y a espace à Grand Kasaï, membre de l'Union Sacrée. Caucus, donc les regroupements, il y a ba sénateur Nyoso, il y a Grand Kasaï, membre de l'Union Sacrée. Tous ans, 14 sur 20, sénateurs au bas d'un espace soit là. Tous ans, il y a un problème. Tout le monde, on a dernièrement, Bandeko Balandagi, Mokonzamboka, a sali tourné mounen dans l'espace à Grand Kasaï. Avant, qu'il ne connaît pas le ministre d'État Guy Londo dans l'espace à Grand Équateur, Bissot, on n'a pas de problème. Le problème, on est en train de dire Mokonzalaki, Mokonzalobi. Mais banal, il va exécuter Makambo Mokonzalobi. Bah, Warrior, gouvernement de Warrior. Nazagi déjà na e lobby, alors il y a aussi déplacé, ministre le Gizaro. Il y a infrastructure. Il faut tout bien gagner. Aïe, ça bisou, l'ikambouya, Kananga, Kamosha, quoi asphalte plaçoana, Bujima et Kananga, Bujima et Kabinda, Kabinda Lusambo. Banzelana, comment on va faire? Ministre, il y a ressources hydrauliques. Tout bien gagner. Il y a ressources hydrauliques et énergie. Tu as bien compris que tu as dit 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 que t
kosa ki biso ete ba mema ki materenzo kande za obeya na katanga eh na sirisa bo na bo ile kolanda yo so donc bon na otanga sa bien te yo am ta provocation tikana si sa makanisho ngai le désenclavement de l'espace du grand Kasai oyo omoni ba problème mingi bien ko finga ba ndeko ya espace wana ba zo se développer te ba zo construire même il y a toute une émission awa onde ko ngai Jean-Marie Kassamba, directeur général, a salaki toute une émission focus Kassaya construisez chez vous. Mais pour tout ça, là, yango to sengi na gouvernement ya Bawari aurait pas excellence premier ministre bo sala ya soka banzela. Makambo belete, yango to sur la session. Ba ministre yo sona to beng sa bango, to ko sur la makambo agriculture ya makambo lubondai. Il y a beaucoup de projets au Salema, tous en niveau ni. Voilà, nous sommes au Sala de Jean-Marie. Donc, population de la mission côté, pour y emballer aux alentours, tu reviens au Sala qui, tu reviens au Sala, la télévision et qu'on a d'abisso, bah, et bah, ni parlementaire, bah, ça va. Mais parlons justement du Sénat. Donc, estime que le Sénat ne donne pas le bon exemple avec le Kamata Tapuyo qui s'est exprimé d'ailleurs en. Au cours de la rentrée parlementaire, la question de ces immunités qui semblent n'est pas justement intéressé ou encore touché le président du Sénat, cité nommément, M. Bahatilou Kwebo. Vraiment, maman Arlette, c'est une question qui touche ou qui préoccupe tout Congolais que nous sommes, et particulièrement les sénateurs. C'est pour cela que moi, je voudrais... je vois beaucoup d'amis qui sont des avocats de mon ancien premier ministre, Augustin Matatapo Nomapong, Kambelembela Koto Kebo, et que je salue en passant, avec tout son entourage. Je connais mes frères Franklin Tchamala et compagnie. Un seul conseil que je peux donner, sans faire de polémique, c'est d'insister au niveau de la Cour constitutionnelle pour que ce que nous entendons, qu'il y aurait un arrêt qui arrêtait toute poursuite contre. L'honorable Augustin Matata Pogne, où il y aurait aussi d'autres arrêts sur la main levée sur certains dossiers, il serait souhaitable. Parce que le droit administratif, même la procédure judiciaire elle-même, ce n'est pas dans des réseaux sociaux ce qu'on est en train de faire. Mais ça gêne. Moi, je dis que c'est une contribution personnelle. Je demande à mes jeunes frères, tous ces avocats qui sont autour de mon premier et collègues sénateurs, de faire vraiment un grand travail au niveau des cours et tribunaux, parce que nous, au niveau du Parlement, nous ne pouvons pas nous ingérer dans des affaires en justice. Et la crainte, c'est quoi? Vous savez, nous sommes dans l'Union sacrée. Nous sommes dans l'Union sacrée et il ne faudrait pas que certaines personnes, avec certaines manières de faire, taxent le président du Sénat de ce qu'il n'est pas. De ce qu'il n'est pas. Vous savez, quand on n'a pas su lever les immunités de l'honorable Matata Pogne sur la question de Bukanga Lonzo, il y a toutes sortes d'injures qui étaient tombées sur les sénateurs, comme quoi on était corrompus, on a touché l'argent, et beaucoup de choses. Mais maintenant que l'affaire est en justice, autant, que la justice transmette. Autant vous donner conseil aux avocats, autant également vous pouvez vous mobiliser en tant que sénateur, et également avec les autres sénateurs, pour demander à ce que le président du Sénat puisse faire des démarches, justement pour alléger cette question. Que le président du Sénat fasse des démarches au niveau de la justice. Non, mais c'est comme un malade. C'est quand quelqu'un a un problème de santé, il va voir le médecin. Actuellement, la solution dans ce dossier ne pourra pas venir ni du Sénat, ni du bureau du Sénat, mais de la justice elle-même qui était saisie sur ce dossier, qui va tout simplement écrire au bureau du Sénat tel dossier clos. Mais justement, parce que ça fait plusieurs mois quand même. C'est tout simplement écrire. Tout simplement ça. C'est pourquoi d'aucuns disent que ça devient carrément politique. C'est politisé. Parce que vous le dites, c'est tout simplement écrire. C'est ce que moi j'ai dit. Si vraiment j'étais consulté dans ce dossier comme avocat, j'allais pratiquement faire un quartier général sur Royal pour insister qu'on puisse transmettre ces correspondances, les différentes correspondances, y compris les différents arrêts dont on est en train d'apprendre, parce qu'on nous parle des arrêts de tel contexte, mais peut-être que
chacun de nous n'a pas eu le temps de suivre. Bon, moi, je suis Denis Kambay, il est en train de me dire que je suis 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 en train de me dire que bon, ye atika lo bele mutu ke kufela na garage asala kate et pourtant akolo bakaza pe na mikumba ya kosalela ba yabapona ki bino pe lokola to chana no ndingisa moko na bino neti yo boyele lo balongola yo immunité parlementaire sous prétexte que esengeli basambisa yo esengeli boyebo bo sambisa kasi bako sambisa te boka takasili kambango boko kata te bino pe. Est-ce que quand tu as dit que tu as dit que bolingo parce que dit que tu as dit que Congo, as dit que tu 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 mutu ke asali boy asali boy kasibola kisamambe asali. Ce qui paye à quoi la qui s'est zate, botiga zongé la moussa n'a pas matazé peine à la pole à copé sa bateau pour naquille. Merci beaucoup, de Jean-Marie Kazambo. Et Rosor Babinoana, donc Ngaï ou dans la cour constitutionnelle, et ça Binoana Nangaï n'a qu'à dire. Silence, sénateur. Silence, n'a Bino pour le bel côté. Et Rosor Babino, je crois qu'il n'a pas la quatité. Parce que dans la cour constitutionnelle, mais la lobby seulement à ce stade de Oyo. Tout le monde a dit que Augustin Matata, il a même accompagné Mukanda dans les réseaux sociaux. Mais ngai naza logo la kaka X or, bato batala ba film à X or na bomo na ba ebiango. C'est-à-dire que les chéris de l'espace, hein, ils sont donc un pacificateur. Yango moni ata et là télé les deux moi bling bling, hein. C'est-à-dire bato ya kimia. Tolingi kimia ya koloba boy. À ce stade, ngana ko sepe là. Au lieu que ça la maquille le naba réseaux sociaux, naba télévision, naba conférence de presse, et aussi l'isali kambo mokote. La procédure à faire, kokende ko vande la lelo, hein, président à cour constitutionnelle, na PG à cour constitutionnelle, ko la kisabango, ou le bagano, le ko nabino wa somité à justice yambo ganabiso, so ki bosibo lobi iyo nabino gotika la paix, bongo. Vraiment, bota la nenge bureau ya sénat, oh, ma gamona, on a besoin, ma gamona, tout le monde est en plénière. Que, de Konabiso, Oazaka, premier ministre, Oyangaï, on a dans le gouvernement, a posé question, naïe. Tu veux qui, président, et sénat, a l'objet que non, n'a pas hésité. Ce qui, bureau, est saisi, à ta ma minute, est-ce qu'il faut continuer qu'on soit autour de ça? Et on a l'objet vraiment, mettons, je crois que, prochainement, et bah, retourner à la question, on va répondre dessus. Parce qu'on a pêché conseil. Pour assaisir bureau et sénat pour nous voir soit qu'il y a plus de poursuites sur tous les dossiers parce que dossiers amis balais auditions sotoyebi mais que poursuites exactes nous sommes comme ça insulté comme ça tu retiens la zélanini ou un abissonien sur le terrain à sénat y compris moi je serai parmi batolibozo il y a tout le président à sénat papa mon continent abisso et à sénat président abisso jour on a la plénière on le voit que non sommes pas comme Elio. Les jours suivants, mais Bakomelio, aux offres, moi je le ferai, ça je te promets. Mais parlons justement du projet de développement de 145 territoires qui a été lancé déjà dans quelques provinces, notamment au Congo central, ça a été lancé vers Saint-Malcondé. Aujourd'hui, le chef de l'État a voulu parler de cela avec les députés provinciaux, mais également quelques sénateurs, donc Binoba, sénateur. Au-delà d'abord de tout ce qu'on a vu dans le réseau social, on va en parler. Il s'est agi de quoi exactement?
Éternel, Seigneur Dieu, j'ai dit, ma tenue doit communiquer que je suis un homme de paix. Et je ne vais pas suivre de polémiques de bas étage. Mais la réalité, c'est quoi? À l'initiative du gouvernement de la République, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samalou Kondé, il était important qu'on puisse communiquer et que les gens comprennent qu'est-ce qu'on entend par le projet de développement, le programme de développement de 145 territoires. Nous avons 26 provinces, mais nous avons 145 territoires. Au lieu de parler en termes de développement de provinces seulement, on est allé au fond, on a attaqué le mal par la base. Donc, la souffrance vers la base. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient peut-être que non, Kinshasa c'est tout le Congo. Ou que quand quelqu'un arrive peut-être à Kananga, il croit que Kananga c'est l'image de l'ensemble du Kasaï central. Ce n'est pas le gouvernement qui pense que Kinshasa c'est le Congo, parce que la question reviendrait sur, sur la rétrocession. Oui. Le développement de 145 territoires. Je voudrais arriver, pour ne pas perdre mon fil d'idée. J'ai dit que c'est un projet ambitieux pour que nos 145 territoires décollent. En décollant, au niveau de la base, ça va atteindre même les sommets et toute la République, il y aura un système de contamination pour l'ensemble du territoire. Et hier, c'était l'invitation du Premier ministre qui a invité Son Excellence Monsieur le Président de la République, garant des bons fonctionnements des institutions, pour parler devant des institutions et leur faire voir l'importance qu'il a, parce que c'est son mandat, de ce programme de 145 territoires. Alors, toutes les assemblées provinciales, pour ne pas dire tous les députés provinciaux des 26 provinces, étaient invités. Les bureaux du Sénat et les bureaux de l'Assemblée nationale étaient invités. Quelques membres du gouvernement et Son Excellence Monsieur le Premier ministre lui-même étaient invités. Et nous, le président des groupes provinciaux et groupes politiques au niveau du Sénat, parce que nous avons un cordon ombilical entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais à ce niveau-là, hier, c'était tout simplement cette communication de donner l'importance de la question du développement de 145 territoires. Mais il y a quelques députés provinciaux qui avaient d'autres programmes dans leur tête, hein, parce que pour certains, ils croyaient que c'était une invitation, comme il se disait, parce qu'on a quand même beaucoup d'informations sur ça, et c'était le moment de rencontrer le président de la République pour faire la réclamation sur les arriérés de salaire, et aussi, pourquoi ne pas parler aussi des palissades, pourquoi ne pas parler aussi des palissades, les députés nationaux ont des palissades, des sénateurs viennent avoir leurs palissades, et pourquoi pas nous? Donc, vous voyez un peu, ça crée dans l'être humain la jalousie. Donc, le petit incident d'hier au niveau du Sénat, c'est autour de ça, autour des au niveau du Congrès, c'est autour des intérêts matériels. Pour les députés provinciaux, quelques-uns qui étaient là, les sénateurs ne pouvaient pas prendre part à cette grande réunion et les sénateurs devaient dégager. Donc, c'était avec des menaces que les sénateurs devaient dégager la salle parce que la réunion, c'est seulement... Alors, on devait le faire comprendre que les sénateurs étaient des invités du Premier ministre pour assister à cette communication-là. Il n'y avait pas de raison d'arriver à ce point-là. Il y a d'autres qui sont allés dans des subtilités très ridicules. Mais il y a même certains sénateurs qui étaient sortis de la salle, qui ne pouvaient pas supporter des injures de certains députés provinciaux vis-à-vis des sénateurs. Mais je crois qu'il est important à ce niveau-là que nous puissions... comme les Quinois le disent, Kobeta Sete. C'est-à-dire quoi? Que désormais, qui peut venir en politique comme député provincial? Qui peut venir en politique comme député national ou sénateur? Nous devons être très regardants sur les titres académiques. Parce qu'actuellement, vous allez voir quelqu'un vous dire qu'il est licencié, de l'université, Bachikunan Koundé quelque part. Donc, si vous voyez très bien les titres, on falsifie des titres académiques terriblement. Et aussi cette histoire des choix des suppléants. Les suppléants doivent être des personnes, hommes ou femmes, qui ont pratiquement le même valeur, même background avec les titulaires du mandat. Alors, je crois que quand on va insister sur la formation, chacun de nous pourra savoir quelle est sa mission au Parlement.
Bon, après ce que je peux dire sur la problématique des 145 territoires qui était lancée hier, et nous y sommes pour accompagner la vision du chef de l'État. Voilà. Mon amboka Denis Kambayi nakoyo kayo mutunyoso akoloba toujours que mbilinga mbilinga eko kobakaka. Te koloba to mekana no yo kayo makadisio ya yo. Donc bana o bakolanda biso o bakolanda biso merci beaucoup maman. Il y en a mon contingent Marika à moi une minute parce que Nazali grand communicateur na télévision. Naibi ma casse à télévision et naibi la gestion des minutes aussi na télévision. Oibi ba tebele na mboka na biso ba komi na système surtout na ba réseaux sociaux ko kata. Donc au moni eloko Jean-Marie ko lobana a lobi mutuna na ile na tina suka. Tem sous réponse na yo kate. Voilà. Lelo awa bo lancer 145 territoires na makanisi. Mabena ya mana bo bo wana banani. Kasi ntoloba eta yo pe ozali membre ya l'état. OK. Pambate aux alipés concernés dans les Kambouana, 145 territoires. Batuba koloba mais ba projet mususu oyo bolansa ki awa. Nan to moni mbuma na yangote, mususu kutu tokomi koyoga gauche, ba iba ki misoloboye, ngambu ba iba ki boye, ngambu te to iba ki te, tout ça. Kino lelo, to moni nan pole, na makambo na te, mbala moko, tokoti na 145 territoires. Nini eko assuré ba électeur o ba pona bino nini équacherer peuple o boko mi betela ka le boko na tole mi kolonyoso ke bozali ba représentant peuple wana pona kosa la suivi ete 145 territoires ma etoyeba ki na ba projet mususu toye bango lisusu na 145 territoires te lokola pe moyibi ya misolo po eyebani za na ba projet bele kino lelo to tikala ko mona aboutissement na yango te likolo moyibi. Merci de kozama Rika Zambou. Nagozonga na moyibi ya misoro mususu te nazozonga kanga makambo etali 145 territoires. Yango moni changement ya communication et salemi. Ba projet o mususu koloba ezala ba 100 jours. Ezala ba chile gelou, il y avait pas d'implication ya parlement. Donc je peux le dire clairement ya kota la caméra na yo. Ba projet wana ndenge ezala mangi na ba cabinet par ci par là na ba conseiller ezala une implication ni ya ba assemblée provinciale ni ya sénat ni ya Assemblée nationale. Et ça l'a dit. Mais maintenant, je crois que le projet, ce sont des 145 territoires, et ça l'a dit comme il y a peuple. Donc, exécutif national, n'a pas exécutif provincial. Voilà, on a fait une parenthèse, et ça l'a dit comme il y a le baboué. Ma prière, ma biche, c'est que l'exécution, il y a un projet à 145 territoires, et ça l'a avec des gouverneurs élus. Pour ceux qui surtout mis son espace dans le grand Kassai, Kassai central, intérimaire, ceux qui désarment au bimba, ceux qui tout ni papa, ou y a un après, ils ont été en intérim, 2 ans. Alors, ceux qui, projet en intérimaire, pour être déjà en logique, il y a intérim, pour Kassai oriental, au Outikuna. Depuis le Moula. Voilà, tout ce qui est le bureau royal, c'est ce qu'on a fait au fond d'Arabie. Les grands Moulongues. Cérémonie inaugurale, il y a mis la clôture. Est-ce qu'on a aussi ça? Depuis que le grand Moulongues, Jounes Maweja Akenda, donc, province de Tikali, n'a intérim. Plus d'une année. Au Kekuna, n'a l'omami, intérim. Au Kena Sankourou, moi, Boulouye, est-ce que ça intérim? Ils en ont. On ne peut pas aujourd'hui qu'on s'azarde, qu'on tient dans le projet sans que l'exécutif provincial est dans ma cache. Faiblesse de ma projet par rapport à comment l'exécutif provincial est fonctionné, comment peut l'assemblée provinciale peut fonctionner. Importance, il y a beaucoup de temps, où il y a beaucoup de temps à communiquer avec le lobby, avec le premier ministre, il y a beaucoup de parlementaires, pour que vous ayez surveillé le Cambodge. C'est-à-dire, ça sur les Cambouya copité, opérateur économique, non, les députés provinciaux suivent ça de près, et les sénateurs aussi nous suivons de près. Voilà un peu la différence de 145 territoires, j'espère. Dans le Sambonanga, la Kondimananga, et vous allez vraiment différent, dans 100 jours, et vous allez différent, dans
Volonté à pouvoir et à organiser ba élection ils n'étaient pas maté ba intérêt à parti politique X Y Oyo bazali ko tenir à tout prix bazala obele na bat na bango o ba ko banda koloba iyo na maeba koloba ba ko banda koloba volonté à ko sala ma ponomi ezate Jean-Marie to ko sala siko lolenge nini pona ba province wana o ezana ba gouvernement o moni vi na mobimba ezali bible vi na mobimba eza constitution donc si on a tiré ma conscience, on pense que la Bible, a été, donc, l'amour ne soupçonne pas. C'est-à-dire, n'a qu'au canisse la moutou ma bête. Oh, n'a qu'au moni, n'a qu'au balai le président, lui, que non, pour ma gamme, tambola. Il est important, le loquer, bah, gouverneur de province, bazala, en place. Avec un pouvoir efficace, en collaborant réellement, dans l'assemblée provinciale. Agir autrement, mais dans tout ça, si les rétrocessions ne se font, pas. Non, ça c'est un budget particulier, maman. Oui, justement, un budget particulier. Ouais. C'est juste pour lancer les travaux, pour donner un coup de pouce pour que, au niveau des exécutifs provinciaux, Makambe Kouarokindi. C'est ça, non? Mais, quand, mais si vous lancez et qu'au finish, les gouverneurs se retrouvent avec les mêmes problèmes maman de rétrocession. Arlette commence encore avec des soupçons. Jusqu'à présent, la question de rétrocession se pose toujours. Oui, la question de rétrocession se pose, la faisabilité. Mais la problématique de dossier 145 jours, c'est un budget particulier, un budget dans le gouvernement central, c'est prévu comme ça. C'est différent, c'est différent de la rétrocession de fonctionnement des gouvernements, des institutions provinciales. C'est similaire avec Tshilegelu, par exemple, non. Qui lance un projet... justement pour les infrastructures routières et consorts. Mais ce projet est lancé, c'est autant des kilomètres qui vont être faits, mais c'est pour donner un coup de pouce pour que la suite puisse s'ouvrir à travers les provinces. Voilà. Mais c'est pourquoi je reviens encore sur cette question. Si aujourd'hui, le programme de développement de 141 territoires se fait normalement, la suite, ce sera quoi? La suite, ce serait, le souhait serait que les choses se font correctement pour que le développement puisse continuer. Mais sans rétrocession, c'est impossible. Je comprends. Je comprends. Vous avez été gouverneur, vous savez. Je voudrais d'abord répondre à maman Arlette qui défend beaucoup la rétrocession des gouverneurs de province. Est-ce que vous avez été gouverneur, vous le savez que c'est important. Notamment à l'Équateur, qu'on doit faire la rétrocession. C'est Bobo, le gouverneur Bobo que je salue en passant. Il attend la rétrocession, mon ami de l'Équateur. L'autre Pancras, d'abord dans le Mongala et tout ça. Effectivement, les exécutifs provinciaux attendent les différentes rétrocessions. Même si ce n'est pas constitutionnel, parce que la constitution parle de la retenue à la ressource de, à la source de 40%. Et nous avons parlé en termes aussi de la caisse de paiement. On a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Au-delà de la rétrocession qui viole un peu la retenue à la source, qui viole aussi l'absence de la caisse de péréquation, et maintenant ce projet stratégique de 145 territoires, restons concentrés. Et nous sommes pendant une session où nous allons inviter, par rapport aux moyens, comme vous le dites, est-ce qu'il y aura des moyens? Notre frère Kazadi viendra répondre régulièrement auprès des parlementaires. Parce que tout ce que nous devons faire, les moyens, nous avons voté les budgets. Nous avons dit que voilà, il faut trouver les moyens ici. Tel doit contribuer, tel service, il y a telle taxe, il y a tel endroit, tel financement. Monsieur le ministre des Finances, monsieur le ministre Bogi, le ministre d'État Bogi, qu'est-ce que vous pensez, où se trouve l'argent de tel poste? C'est ça l'importance, la différence du projet. 145 territoires, au programme de 145 territoires, avec Tshilegelu et 100 jours, je dis et j'insiste, je crois que je vais me limiter à ce niveau-là, pour dire que des autres projets ont été faits. Les autres projets ont été faits sans l'implication de parlementaires, Tshilegelu ou 100 jours, aucun parlementaire n'a été consulté, c'est-à-dire ni les assemblées provinciales,
ni l'Assemblée nationale, ni aussi le Sénat. On a dit vous avez mais conseillé. Seulement maintenant. Je suis un conseiller. Oh, le climat de Tokomiwabi. Mais justement, en parlant de Tokomiwabi, la question de François Biya revient avec beaucoup de pincement quand même, parce qu'on se dit, oui, c'est vrai, il a été accusé avec pompe, on en a parlé dans les médias, mais en ce moment, c'est le silence radio. On se pose la question, s'il n'est pas coupable, pourquoi on ne le libère pas? Et s'il est coupable, pourquoi on ne le juge pas? Oui, merci beaucoup, Maman Arlette. Cette question... J'ai répondu sur d'autres chaînes et je réponds ici, comme j'avais répondu la fois passée, que j'ai une position, je ne sais pas dire, je suis entre le marteau et l'enclume, mais par rapport, je vais intervenir à trois niveaux. D'abord, en tant que défenseur des droits de l'homme, comme chef de travaux à l'Université de Kinshasa, au CRIDAC, Centre interdisciplinaire des droits de l'homme en Afrique centrale, comme sénateur, et comme président du Grand Kassai, je défends tous les fils et filles du Grand Kassai. J'avais fait la liste autrefois et je l'ai toujours fait. Chaque fois qu'un digne fils de l'espace du Grand Kassai a une quelconque difficulté, j'interviens toujours. Que ce soit à l'époque des Diamants de Ngoï Kassanji, que ce soit à l'époque des immeubles de Serge Kassanda, que ce soit à l'époque de menaces contre François Mwamba, d'un colonel, un quelconque colonel là du MLC, que ce soit des attaques contre le président de l'Assemblée nationale à l'époque Évariste Boshab, que ce soit les difficultés de notre frère Jean-Marc Kabundo et la problématique du conseil spécial François Biya. Nous avons dit que nous, à l'image d'autres communautés, on ne devait pas faire la marche, la communication. On avait dit que les services fassent son travail. Et on a sorti un communiqué clair où nous disons au premier point que nous condamnons ce qui était dit déjà dans les réseaux sociaux à ce moment-là. Et nous avons fait la prière pour le chef de l'État. Mais nous avons demandé aux services d'accélérer avec des enquêtes pour mettre chacun de nous devant ses responsabilités et de ne pas tribaliser ou politiser la question. C'est pour cela que maintenant, là, par rapport à toutes ces fonctions que j'exerce ou que j'ai exercées, je me suis adressé à la cage de notre frère Georges Kapiamba. Je me suis adressé chez notre frère Paul Katende, parce que ce sont eux les défenseurs des droits de l'homme. Vous savez, nous avons une très belle constitution. Notre constitution a plusieurs articles sur les libertés publiques, sur les droits de l'homme et tout ça. Mais l'article 16 parle de la vie humaine qui est sacrée. Le sacré de la vie humaine, Bomoto. Hein? C'est-à-dire que quand, comme le chef de l'État avait dit, avant sa prise de pouvoir, que nous allons humaniser les services. Nous venons tous de l'école de l'IDPS. Nous avons été formés par de grands leaders, nous tous. Nous sommes passés de cette école de l'IDPS où nous mettons la vie humaine au-dessus de tout. Et aussi, la Constitution nous dit, toujours dans cette partie concernant les libertés publiques, droits humains, que quand quelqu'un est interpellé, il doit savoir pourquoi on l'a interpellé, il est poursuivi, pourquoi il doit être jugé, jusqu'à ce qu'on va le mettre devant son juge naturel. Mais nous, on a reçu des informations pour dire que non, c'était des choses sécuritaires. Comme cette question sécuritaire, nous ne donnons que des conseils au service d'accélérer les enquêtes pour ne pas donner les prétextes à ceux qui peuvent dire à tort ou à raison qu'il y a un autre problème que celui qui existe. Mais c'est l'impression voilà que peu, ça donne. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut combattre cette impression-là. Il faut combattre cette impression-là et donner la vraie version des faits. C'est pour cela que nous, comme nous ne pouvons pas ici maintenant nous dédire par rapport au communiqué qu'on avait fait autrefois, nous disons que nos deux amis, nos deux structures des droits de l'homme, notamment de Paul Katende et de Georges Kapiamba Akaj, nous aident à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement et que nous puissions humaniser les services
pendant le mandat de Fatou Béton dans le cadre de l'état de droit. Madame Boka Denis Kambayi, tout le monde qui est dans cette émission Oyo, Pambate Arlette Boutela Alobaki Likamboya, Madame Boka François Béa, ou Azali Congolais, Oyo Pé, Azali Mouana, il y a espace Oyo Kokamba, en tant que président de la synergie des associations notables de l'espace Grand Kassai. Tomona Kiawa, tant que tata mokonza ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akota ki na pouvoir à Lobaki, tokosala makambo na ndenge ya mbongwana changement. Oyo alakaki ke baokanga bakasho ebele ebele ya ANR ba service ebele oyo eza wana mpona kotungisa obele bato ekonsort. Toyi koyoka wa kafumba likambo ete toyokaki biso nyonso eza lisusu sekerete ke paraîtrait que François Béa a lingaka sala coup d'état boye na boye toyoka ki biso nyonso motema pasi ete ah mwana ya Grand Kassai akende kokotisa maboko na ye na makambo motindo ya lolenge wana ezalaki mbindo makasi kasi kino lelo totikala koyoka mpenza ndingisa to pe preuve ya ke likambo ango ezalelaki te mais pamba te azali obele ya kokangama kuna okasho eske wana état de droit wana changement to pe totikala obele na système ya kala oyo tolelaka. Toi, c'est que tout ça, la nini, pour être l'icambouana ici. Yo, moi, personnellement, en tant que mon conseil à l'association PEA Bassinergie à Grand Kassai, nini, au coquille, ça, la toyoki, bah, nous, t'es, et c'est que la qui peut ôter, moi, le bac, et biso, peut ban à Kassai, et c'est moi, le courage, tous allés, qu'on condamnait, le lenga, qu'on kanga, moi, na espace Grand Kassai, na l'icambo, oh, bah, sambi, c'est lié, oh, kino, le lot, toko, mona, et yano, na yangote. Point, nous, salia. Merci. Merci beaucoup, Ndeko Jean-Marie Kazambona. Moutouna, on a répondu déjà en français. Il y a un grand Kassai, et c'est ça la déclaration. Il y a 4 points. Et Toyoka, qui est un peu de Boyoka, dans les réseaux sociaux, et le Bili Kamona, il y a un peu de temps. Parce que sincèrement, les gens doivent comprendre la position où on est. La position où on est. C'est-à-dire que Nazamo conduit à Grand Kassai, certes, mais. Naza du même village que François Béa. C'est-à-dire que nous sommes dans la Kassai centrale, territoire il y a Dibaya, secteur il y a Dibanda. Et je peux aller plus loin que une de ses sœurs, Azaraki, moi si à Kounouto Yangaï, mais à cette équipe, c'est directeur dans Enzal. Bananae, Barobé Nanga, Papa Leki. Il y a grande sœur, il y a François Béa. Donc c'est la famille. Mais elle n'a l'attaqué Kazak à qui grand Kassai. Pourquoi nous avons mal entendu? Parce que nous avons beaucoup de filles et de lèvres. Ils ont des membres de famille. Ils ont des bandes de niveau à grand Kassai. Trouvez qu'il y a un service. Et ça, la moussara. C'est ça le contenu de notre communiqué. Trouvez que non. Ce qui est allé, c'est qu'il y a beaucoup d'État. Mais quand il y a une sécurité, il y a un côté de l'État. Ce qui est allé, c'est qu'il y a un côté de Bundi, Banani, le conseiller président Bundi. Il y a un côté de. Mais tu vois, il y a une sécurité. Il y a une sécurité qui est en train de se faire. Il y a un travail que tu as observé, tu sais qu'il y a un service, c'est ça. Ça, il y a un mango, et puis ça rapport mon kilo. Il y a un libosso. Il y a un balai, tu vois, il y a un cannabis, tu ne peux jamais contrôler le pouvoir par la force, surtout pas par un coup d'État. Voilà, deuxième point au grand Kassai et le bagui. Troisième point au Tolobaï, tu sais qu'il y a un service qui va accélérer. Je crois que Magambo, on a sorti, il y a un cannabis, il y a un cage. Georges Kapiamba, dans ce cas-là, il y a un pour le cas de sorte que, bango, bah, toi, tu as droit de l'homme, bah, mais quand on l'a de la Likamboyo, pour essalir le régime, n'a pas sauté. N'a pas le bagamon à Ebi, tout est à l'école, il y a, tout est à l'école, il y a IDPS. Pour battre le souci, bah, on va IDPS ou à l'élo. Mais Bisso, moi, Kambaye, carte de membre, n'a pas IDPS, ils ont signé là, papa, 4. Papa y a mon ingénieur David Mboakiem, papa Mboakiem, moi, tu as vu ça, on a ministre, vice-ministre d'affaires étrangères David Mboakiem, on appelle ça en bout de la musique. Papa y a Baliaou, de quoi on a un ministre, na fonction publique. Papa Kiba Samaliba, y a Augustin, on a un ministre na pété. Donc, ceux qui n'ont pas stylé dans le bel agan, ils n'ont pas. Papa y a Kiba ça. J'aimais beaucoup papa, on a parmi bah 4 membres du directoire et 4 membres du directoire, papa Étienne Tshisekedi. Mais style nangai on a adopté qui na IDPS c'est Kiba Samaliba. Il y a même na état les Melina et Tamboleli c'est ça. Bref, tout salir héritage na biso na parce que mon konzambo ka lobai geno et na kokoma ka ndengo utsholoba par rapport à ba cacheur ba service et tout ça. Mais le corps les makambo ya sécurité. J'insiste. Makambo ya sécurité to ko ikosa ko la baninga msusu ba nous et nous nous té. Biso to ko lobaboyi.
tout ça va défenseur, il y a droit de l'homme, tout ça va légaliste, service, et ça va moussala nango, et accélérer la banquette pour résultat et bima. C'est tout ce que nous pouvons dire, parce que, comme on a solo yamabe, il y a un nga salir, institution, et ça va malamouté. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Denis Kambaye, nous vous disons grand merci d'avoir accepté notre invitation pour justement revenir sur cet exercice de questions-réponses avec tous ces sujets évoqués encore une fois aujourd'hui. Nous espérons que ça va évoluer. La prochaine fois que nous vous recevrons, certainement, nous espérons avoir des échos favorables en ce qui concerne la question de Matata Ponyo, la question du conseiller spécial du chef de l'État, M. François Béa. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes sénateur, mais aussi président de la SINAG, qui est la synergie des notables et associations du Grand Kassai. Aimable téléspectateur, c'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous, exclusivité, je le rappelle, a reçu Denis Kambaye Chimbumbu et nous étions, moi, Arlette Boutella, mais aussi mon confrère Jean-Marie Kazambou, avec qui nous avons débattu justement de toutes ces questions, notamment liées à la rentrée parlementaire, mais aussi au programme de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo, un programme à laquelle on a associé les députés provinciaux, mais également les sénateurs. Nous avons aussi évoqué la question de la sécurité, notamment l'arrestation du conseiller spécial du chef de l'État, François Béa. C'est un réel plaisir. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.